Salut les amis, c'est des addicts à des vides greniers. Oh pardon. Et... on est de retour sur une vidéo de faire le bon coin, Magic World et Centre Azur. On a eu une PS4, ouais, avec d'autres accessoires et on va vous montrer. À tout de suite. D'abord les puces. Centre Azur, Magic World. Alors. Ça, j'ai eu un Magic World. Alors, on a un GTA 2. Grand Theft Auto. Ouais. Avec la jaquette avant, jaquette arrière, la carte, prospectus et le CD. Qui est en très bon état. Il y a quelques rayures, mais bon. J'ai pas la notice. Mais bon, j'ai eu pour 1 euro. Oui, 1 euro, c'est bien. Après. Un jeu de tarot. Un jeu de tarot, 13. 13, la BD. Il y en a plusieurs de collection. Il est tout neuf, oui. Il y a aussi, il existe les bidochons, l'incal, l'argo winch, torgal, druna, et bien sûr le 13. Ouais. Donc il me faut les, il me faut encore 5 si je veux faire la collection. Après, alors... Opus de Centre Azur. Il y a un monsieur qui est venu nous voir sur notre stand. Ouais. Il nous a fait acheter. On a acheté pas mal de choses. Un clavier. Un clavier gamer. G-Lab. Avec son casque. Son casque, ouais, bon, mais je sais pas. Il est pas en bon état. Moi, je le compte comme HS parce que bon. Ouais, il y a des fils qui dépassent. Il manque des trucs. Il manque les... des écouteurs. Il manque les fils. Après, on a eu une manette de PS4. Il y en a deux. Il y en a deux, mais il y en a. Il y en a une autre qui est. Il y en a une. Chez... Je l'ai laissé. Je l'ai laissé chez ma mère pour jouer avec mon frère. Avec une souris. Une souris. J'ai là aussi. Voilà, c'est pas mal. Après. On a ça aussi. Oui. Pour charger dans la voiture. Après, une. Ça se fait pas. Une DS. Une 2DS. Une 2DS. Avec le jeu Pokémon Ultra Soleil. Ah ouais. Dedans. Après, une DS bleue. Une DS bleue. DSi. DSi, oui. Avec des autocollants dessus. Mais... Ouais, c'est Pokémon qu'il y a dessus. Après, avec un jeu dedans, ouais. Beyblade. Beyblade. Les toupies. Donc ça, ça fait pas partie du lot. Et la PS4. PS4. Alors, il y a... Avec les jeux. Ça, comme jeu. Déjà, il n'y a que les boîtes. Le Infini Warfare. Il en a retrouvé. Le c'est monsieur. Chez ma mère, la boîte. Et il y a aussi le The Division. Et il y a tout ça comme boîte vide. Et le monsieur, il a retrouvé des boîtes. Il a retrouvé CD. Deux CD. Ouais, on va pouvoir... Alors, on a eu ce lot. PS4. La PS4. Les deux consoles. Le clavier gamer, les manettes et tout ça. On l'a eu pour 200 euros. Donc ça va, tout marche par ouais, contre, marche bien. Ouais. Après, on l'a remis eu... en fonction. On l'a réinitialisé. On a eu Kingdom Hearts. Ouais. Pour 10 euros. On n'est pas la boîte, mais bon. Je ne l'ai pas. Après, dans les caches. Dans les caches. On a eu PS4. The Last of Us. Remastered pour 14,99€. Bon, c'est pas un super prix non plus, mais bon, je le voulais. Oui. Après, on a eu Blast Blue pour 7,99€. Après, il y avait Tal of Grass. Celui-là, je le connais pas. Celui-là, et Tal of Symphonia. Le Chronicle. Chronicle. Ouais. Pour 13,99€. Ce qui est un bon prix quand même. Après, Eternal Sonata.
Sur PS3, celui-là n'est vraiment pas très commun. Surtout avec son petit fourreau là. Oui. Bon, il n'y a plus le prix, je l'ai enlevé parce que j'aime pas laisser sur le fourreau. C'était combien ça? C'était 13,99 celui-là. Oui. C'est quand même un assez bon prix. C'est un jeu quand même difficile à avoir. Ouais. Après, on a eu Mario Sonic aux Jeux Olympiques pour 7,99€. Après, dans un autre Ensuite, cache, ouais. on a eu alors d'abord Wario Land 3 pour 6,90€. Après, il y avait des jeux pour 1,50€. On avait Pinky the Brain, The Master Plan. Titeuf, The Gag Machine. Tito, c'est Stuntman. pas juste. Stuntman. Après, on a eu Meet the Robinson. Les Indestructibles. Casper, le Le fantôme. fantôme. Harry Potter et la coupe de feu. Harry. Après, on a eu Herbie Fully Loaded. Loaded. Enfin, je sais pas trop l'anglais, moi. Ouais. Après, Splinter Cell. Celui-là, ça fait la première fois que je vois de jeu sur Game Boy. FIFA 2004. Ouais, ça, bon. Enfin, sur Game Boy Advance, quoi. Ouais. Atlantide. Le monde de Nemo. Hey Harold, The Movie. Après, Nos voisins les hommes, on a Scooby-Doo, une masquée. Scooby-Dooby-Doo! Enfin, c'est un autre titre, mais là, je dis le titre anglais parce que je me rappelle plus. Après, on a eu Lego Bionicle. Ouais, Lego. Ouais, Lego. Et puis sur 3DS, on a eu Punch Time Explosion sur 3DS pour Boum! 1,90. Vu que c'était un jeu 3DS, je me suis dit bon, ben, je le prends pour 1,90. Ça va. Ouais. Voilà pour tout ça. On en a eu pour 200, plus de 200 euros, mais Ouais. 200 euros et le lot de PS4 avec Peut-être les. 280 euros, quelque chose comme ça en Ouais, tout. ouais. On ne sait plus exactement le prix, mais. Voilà. Allez. Voilà, se termine cette vidéo. Ouais. Mettez un pouce Un bleu. pouce. N'hésitez pas à commenter. Nous laissez-nous un commentaire. Et abonnez-vous aussi si c'est pas Abonnez-vous. fait. Et on vous dit à bientôt. Partagez les vidéos. Ouais. Allez, ciao! Allez, ciao!